Pour ce dernier tutoriel de l'année 2020, avant les débuts des fêtes, ce jeudi, on va travailler dans Houdini et regarder donc l'utilisation de l'avection par filament, donc le pop advex by filament, qui va nous permettre de donner donc une simulation de type particulière avec Pop Solver, sous la forme donc d'ondes, de vagues, de voluptes, qui pourront être ensuite utilisés soit directement avec un rendu particulier, soit comme on le voit ici pour Joyeux Noël sur une écriture, soit transformer donc les particules qui vont servir donc à conduire une direction force ou vitesse sur des du pyrosolver ou du flip solver, donc du volumétrique, hein, que l'on pourra donc mettre en place à la place des particules, ou utiliser donc les particules comme système émetteur donc de volumétrique. Donc là on va regarder donc juste la mise en place donc du pop advect by filament qui permet d'obtenir le résultat que l'on voit. Donc on le voit là du dessus, hein, pour bien qu'on voit donc l'écriture, hein, apparaître et onduler un peu comme ça en changeant, en s'écartant, en se transformant. On va regarder ça en fait aussi donc directement, voilà comme ça d'une part. Ok, voilà, donc ça commence, voilà, on a la base de Joyeux Noël et puis on voit mieux les volumes, ça va plus vite ici, donc voilà, on va le voir un peu plus, voilà. Et on voit donc bien sûr avec la fin, la disparition avec l'alpha sur les particules, les colorations qui changent et ainsi de suite. Et donc en fait, on va regarder ça un peu de côté comme ça, voilà. On voit mieux en fait. Alors on a des sortes de tranches en fait, hein, qui apparaissent là, on voit, parce qu'il y a l'alpha qui joue, hein, on va voir, j'ai baissé l'alpha de telle manière de pouvoir avoir une discontinuité donc dans les voluptes comme ça. Hein. Mais on voit bien donc le format ici donc de simulation qui est sous la forme comme ça de voluptes, qui va être donc des filaments qui vont partir d'une forme. Donc ici on repart de, c'est la même forme qui émet les particules qui produit aussi donc ces fameux filaments qui vont servir donc d'éléments conducteurs à la simulation ici. Mais on pourrait très bien donc utiliser deux éléments donc polygonaux séparés, un émetteur par exemple ou autre chose pour émettre et ensuite donc un système polygonal sur lequel on va récupérer donc les edges, les bords, pour faire ces fameux filaments qui vont être simulés, qui vont être entraînés, simulés, avec le filament solver qui est là. Ah, okay, c'est lui qui va gérer et qui va envoyer l'information pour le pop advec by filament ici. Et les particules vont être entraînées par ce système de filaments dont on va voir la solution. Donc voilà un peu l'idée donc générale. Ici, c'est assez simple en termes de construction. Hein. On a le source particle ici, le source filament, et les deux pop advec by filament et filament solver ici. L'ensemble émergé, pop color et pop solver ici. Okay. Donc regardons ça un peu plus en détail. Donc au niveau de l'émetteur, on a le texte. C'est lui, donc c'est la forme de texte. Donc au départ, j'avais un cycle pour tester, hein, et après, donc, je suis parti sur un texte. Donc, on peut faire un remesh ou pas, si on veut donc affiner ou un subdivide ou un smooth. Enfin bon, voilà. Ensuite, donc, c'est juste un transform pour le décaler. On peut avoir donc la nécessité d'avoir un montagne pour casser un peu le côté lisse éventuellement donc de l'écriture, un reverse. Alors le reverse, il peut servir selon effectivement les normales qui vont induire donc la direction des filaments. Donc il est positionné ici parce que à un moment donné j'avais donc l'écriture qui était à l'envers et je voulais que ça parte vers le haut et j'avais mis un reverse. Donc l'utilité de ce reverse qui est décroché ici et là. Et puis on fait un nul, donc audio texte ici. Donc on a l'écriture, hein. C'est l'écriture juste. Je vais enlever donc le rendu particule ici, texte. Voilà, donc on a l'écriture. C'est assez simple ici. OK, qui nous permet donc de voir ici donc de manière assez simple. Ici, OK, voilà.
Ok, à partir de là, donc on va utiliser cette écriture pour deux choses. Donc dans le rendu donc .NET, c'est tout là où ça se joue ici. Ok, on va avoir donc, on va remonter. Voilà, Joyeux Noël. Donc on va avoir ici l'écriture qui va donc émettre. Donc on voit donc le début de l'émission ici, hein, voilà, hop, un peu plus. Alors après ça dépend bien sûr. Donc le source particle ici, avec son constant buffer rate, donc ici c'est à 9000, on peut l'augmenter pour en avoir plus, on peut keyframer pour faire des variations de volupte, d'émission de particules aussi. Hein. Donc constant activation ici, hein, on peut le faire varier, faire varier le buffer rate ici. Au niveau de la source, donc on va venir bien entendu remplir le SOAP ici avec le out geotext. Donc on a bien donc des particules qui viennent ici. On met émission type type ici surface, point all point non surface, comme ça se distribue sur la surface, c'est mieux. Ok, use transform object bien entendu, pour avoir les particules qui utilisent, enfin qui sont sur le bon niveau de l'écriture avec le transform que on a vu préalablement pour mettre à plat donc l'écriture 9000 ici life expectancy donc on met une certaine durée ça va nous permettre de gérer donc sur la durée l'alpha et la couleur et faire disparaître les particules au fur et à mesure éventuellement si l'on veut la variance je vais laisser 0 mais on peut mettre éventuellement une petite valeur ici pour avoir des variations de durée de vie hein, bien entendu ici ok on jitter buffer time interpolation tout ça c'est laissé tel quel donc c'est ces sources particules après on va avoir un autre donc source filament qu'on vient chercher et on va venir donc chercher qui c'est qui génère les filaments alors ça pourrait être un autre polygone de formes différentes qui entraînerait à ce moment-là les particules avec cette forme-là bon ici on a choisi le même texte, enfin le même texte, le même polygone, pour être synchro entre l'émission et les voluptes qui décollent. Donc ici, source filament, c'est l'out-geotext ici. Et l'activation ici, on le fait donc tous les modulo 40, ici, voilà. On va le voir apparaître. Donc tous les modulos 40, on va venir donc chercher la source filament ici, scale stretch 20 ici. Donc ça permet d'avoir donc ici la dureté, enfin la raideur, donc ici des barres, on va le voir, hein, et puis la finesse ici. Et donc c'est ça induira donc dans la simulation. Je me remets un peu comme ça de côté, on va le regarder ici. Et donc on va à partir de ça, on y reviendra dessus, connecter donc un pop advect by filament ici. Voilà, on va cliquer ici sur guide pour voir voilà, ici apparaître donc et on va venir décocher donc le rendu, il est décoché .NET ici. Voilà. OK. Voilà, donc on voit en fait ça c'est intéressant. On voit ici donc les filaments qui sont générés par les bords donc du polygone et qui vont être, on le voit, transformés donc avec encore une fois des voluptes comme ça, dansant, un noise ici qu'on va pouvoir régler et qui vont donc entraîner dans leur course. On le voit, ça se synchronise bien les particules. Ici qui vont être entraînés donc par l'advection, donc un pop advect by filament ici. Ok, donc ce pop advect by filament ici, principalement on va avoir une velocity scale, on va avoir un dop object, donc c'est le pop object ici on récupère donc le pop object des particules, on le met ici et le pop data c'est le texte, donc c'est le nom ici donc de la géométrie. Ok, donc on met ces deux éléments en place, dop object, dop data. Filament source, c'est dop data ici. On peut avoir d'autres sources, ça peut être les connexions, donc en entrée, first consensus et ainsi de suite, hein, comme d'autres nodes, hein, c'est assez classique. On va régler donc la velocity scale, le blend, enfin on a 2-3 paramètres sur la velocity, sur la direction. La direction type, c'est le update velocity. On a l'update force et position. Donc ici, on choisit la velocity et on scale la velocity ici.
Donc on verra qu'on a plusieurs possibilités pour avoir des entraînements donc par l'advection différents de la vélocité, la force et la position. Donc on voit ici le résultat. Donc ce pop-up by filament va regarder donc ce qui se passe dans le filament solver ici. Okay. Et le filament solver ici va donc traiter de la solution, comme son nom l'indique, des filaments dans la simulation. Donc on va simuler le mouvement des filaments donc, avec le filament solver et à chaque frame. Et à chaque frame, donc, on va envoyer l'information dans le pop-advect by filament, ici qui va entraîner donc, les particules. Et donc le filament solver va créer une advection sur les points, créer un vortex filament en fait, hein, comme on peut le voir ici, sur les filaments, donc sur les sommets étant reliés, on voit donc ce que ça donne ici. On pourra jouer donc sur différents paramètres, il y en a peu hein, en fait, hein, ici. On peut reconnecter les distances si on veut reconnecter l'ensemble des branches des filaments s'ils sont trop séparés ou on les veut séparer. Ici, c'est intéressant de les avoir séparés, donc on a laissé une valeur à 0,1 ici. Et ensuite, on a donc Min Edge Length et Max Edge Length qui permettent d'enlever ici donc des edges qui sont plus petits donc que 0,1 et des max plus grands que 0,5 ici, ce qui permet d'avoir donc les valeurs de longueur que l'on veut, le détail que l'on veut, on pourrait dire, et de supprimer donc les autres ici. On peut jouer sur le timescale ici, qui va permettre donc d'avoir donc d'animer donc les valeurs ici et d'avoir donc une variation dans le vortex qui est généré. Donc voilà simplement pour décrire un peu. On peut rentrer plus en détail, mais on pourra le voir dans un prochain tutoriel. Donc voilà pour la mise en œuvre, le résultat que l'on obtient ici, on peut le voir de côté avec les filaments justement, hein. On l'a vu du dessus ici. Après c'est une histoire de jouer, hop, je vais aller trop loin, de pop color ici, la couleur, ici qu'on voit l'alpha avec des variations, donc la durée de vie bien sûr qui est prise en compte. On peut rentrer donc des expressions ici, la simple ramp nEdge ici, @nEdge, qui permettra donc d'obtenir le résultat que l'on voit ici donc de l'écriture de Joyeux Noël. Voilà pour ce dernier tutoriel de l'année. Bonne fête de fin d'année et on se retrouve donc l'année prochaine pour commencer donc un nouveau tuto du jeudi.